Alors, à quoi on joue ce soir? On joue à un petit jeu qui s'appelle The Backrooms 1998. Et attention, on a déjà fait un jeu inspiré de cette creepypasta hein, il y a quelques semaines, mais c'est pas le même. Parce que lui, il était pas foufou. Il y a un petit côté roguelike sympa, mais c'était pas ouf, hein. Lui, apparemment, il est vraiment très bien. Il vient de sortir, les retours sont assez... sont pas mal. Mais par contre, apparemment, ça fait vraiment très peur. D'ailleurs, il y a même un mode... Je vois qu'il y a un no jumpscare mode, hein. Ils ont carrément créé un mode où ils enlèvent les jumpscares parce que je crois qu'il y a que des gros screamers dégueulasses, mais vraiment dégueulasses, hein. Je crois que c'est que ça, des ignobles screamers tout le temps. Donc évidemment, on va jouer à la version normale. Parce qu'on veut voir ça, nous. Ça a l'air sympa. Bientôt, nouvelle vidéo prévue, non. Non, c'est pas prévu. On verra bien quand. Peut-être jamais. Alors, oula, le chat il va trop vite, hein. J'essaie de lire. C'est compliqué. Comment j'ai joué à Davigo? Il faut acheter le jeu, d'accord? Mais c'est pas sur Steam ou quoi que ce soit. Je crois qu'il faut aller sur le Patreon des développeurs et tu peux payer un abonnement pour avoir le jeu. Mais t'as pas besoin de prendre l'abonnement pendant des plombes. Hein. Tu prends juste un mois et tu peux avoir le jeu. Je crois que c'est ça. Je me souviens plus. Il faut aller sur le Discord des développeurs, il l'explique. Shrek's Hotel, non. Non. Plus jamais. Très bien. Est-ce qu'on entend bien la musique? Est-ce que je vais refaire du Davigo un jour? Peut-être. Peut-être qu'on fera ça en live, un de ces quatre. Une possibilité. Mais pas ce soir. Ce soir, ça va faire très peur. On va pas traîner, on va y aller. Alors, How to? Bah voilà, c'est très bien. Alors, The Backrooms 1998 est un survival horror. Où est-ce qu'on doit trouver des indices pour comprendre l'histoire et comprendre comment on a fini dans les backrooms? Trouver des ressources, des outils et des objets pour vous aider à vous enfuir. Wow! 5 mois que je regarde un streamer qualitatif. Et, sérieusement, tu redonnes le sourire, donc continue comme ça. Merci bien, Scott Midrax, pour le 5e mois. C'est fort gentil. Mais plus jamais tu m'interromps quand je suis en train de lire, hein. J'aime pas bien ça. Attention, hein. J'en étais où? Alors, c'est un jeu de type Escape Room. Ouais, bon, bah voilà, faut trouver des objets. Je crois que ça va être assez semblable à celui qu'on a déjà fait, hein, mais en mieux. Les choses que vous pouvez voir dans l'ombre ne sont parfois pas des ombres. Quelque chose ou quelqu'un est peut-être en train de rôder dans les parages avec vous. Utilisez votre endurance seulement quand nécessaire et marchez doucement. Cachez-vous dans les petits espaces sous les tables et dans les casiers. Eh ben, ça va être super. Ça va être super. Je suis pas prêt. Je crois qu'on va directement mettre le no jumpscare mode, hein. On le fait. J'aime pas trop ça, les gros screamers. En vrai, si le jeu est bien et qu'on veut vraiment aller au bout, et que les screamers, c'est si terrible que ça, je pense qu'au bout d'un moment, on fera peut-être ça, hein. On fera peut-être ce mode, si vraiment c'est insupportable. Mais bon, on va commencer normalement, hein. Bonsoir les gens qui arrivent. Bienvenue. Est-ce que vous avez loupé quelque chose? Non, ça vient de commencer. Tout va bien. À quand Alien Isolation? On le fera. Bientôt. On le fera. Ça va se faire. Ça va se faire. Mais pas tout de suite. Un de ces jours. Allez, on le fait, hein. On le fait. On le fait. Faisons-le. Il n'y a pas beaucoup de son, en fait, j'ai l'impression, par contre. Hein. Bon, on verra en jeu. Bon, allez. Et les screamers, on veut les savourer, hein. Allez, on y va. Attention, en marchant sur les trucs, ça peut faire du bruit, d'accord, j'ai pas compris. On peut trouver de quoi de se soigner. Quoi? Ça peut en... Quoi? Attendez, là. Qu'est-ce qui était écrit, là? Les entités peuvent entendre mon micro. Ça va pas le faire, ça, hein. Ça veut dire que je dois pas parler, mais je suis un streamer, messieurs, dames, hein, ça va pas le faire, ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, y a un scénario et tout, ok. Le son est fort, là, non? Dites-moi, hein. Faut me dire. We are rolling. Nice one, Drake. Look at these fools trying to skate. Max adore les backrooms en ce moment, pas spécialement en plus, non? Enfin, ça me fascine pas plus que ça, hein. Mais apparemment, ce jeu est bien, donc je me sens obligé. Faut bien que j'essaye. Je suis curieux.
Bon, par contre, j'espère que c'est pas trop long, parce que... Me dites pas qu'il y a vraiment un scénario là-dedans, hein. J'y crois pas. Ah, très bien. Ah oui. Oui, d'accord, oui. Bon, bah, c'était pas trop long. Ah, non, mais attendez, attendez. Il y a, oui, il y a une barre, là, de micro. Mais c'est une blague. Comment je suis censé jouer si je dois me taire? Et puis, à quoi ça sert si on n'est pas streamer? Personne parle tout seul devant son écran. On peut l'enlever, cette mécanique? Parce que ça, c'est stupide, hein. Attendez, on se concentre. Ah oui, on peut l'enlever, le microphone. Ou est-ce qu'on laisse le microphone ou pas? Ça veut dire que je vais devoir passer, je vais être en ASMR pendant 90% du live, quoi, c'est génial. Ça donne envie, en vrai, ça peut être... On va le laisser pour l'instant, mais ça va me faire perdre, cette connerie, là. Non, c'est absurde. Je vais perdre à cause de ça. On le laisse un peu. Juste un peu, hein. Il y a un jeu Backrooms VR, tu peux le tester un de ces jours, on verra, ça m'étonnerait, hein. Ça casse certainement pas des briques, mais on verra. Peut-être. Est-ce que je mettrai la rediff? Ça dépend si c'est bien. Si c'est bien, je la mettrai, effectivement. Bonsoir les gens qui arrivent. On laisse et on crève, on le laisse. Ok, très bien. Eh ben oui, ça va être super. Tu parles pas quand il y a un monstre. Eh ben oui, c'est bien le genre de la maison, ça. Hein. Alors, par contre, il y a d'autres options maintenant, attendez voir. Ah, on peut enlever les effets à l'écran, là. Est-ce que c'est mieux? Ouh, bah ça augmente le champ de vision, oui. Donc c'est mieux, oui. Ouh, le son est fort, là. Ouh, attendez voir, là. Oui, ça gueule, hein. Ça gueule carrément. Quand les screamers, ils vont tomber, ça va nous calmer, hein. Bon, on va baisser un peu, au final. Comme ceci. Voilà, on est bien, hein. Est-ce que si je parle pas trop fort... Ouais, non, mais non. Non, dans tous les... Non, mais faut que je parle pas du tout. Oh là là. Bon, on va essayer, hein. On est curieux. Le jeu dure dans les 2 heures. Sachant que t'as rajouté 1 heure de marge. Ok, mais c'est du die and retry, hein. Donc, s'il est censé durer dans les 1 heure quand tu réussis, faut comprendre que c'est la première fois qu'on y joue. Donc forcément, on va galérer. J'imagine que c'est un peu dur. Surtout si on joue avec le micro. Donc oui, ce sera sûrement plus. Bon, je crois que c'est pas scripté, hein. Ou... Ah si, peut-être que c'est scripté. Ou est-ce que le jeu est généré aléatoirement? Bah, je sais pas, on va voir. Hop là, ça bug. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh. Très bien. Il y a eu un gros lag. Parce qu'il fallait afficher du texte. Compliqué, hein. Bonjour. Trouvez une... voilà, échappez-vous. Eh ben, c'est sympa. Une lampe torche. Très bien, ça. On peut zoomer. Incroyable. Coucou, juste pour dire que je peux pas suivre le live. Eh ben, bienvenue, mais au revoir du coup, hein. Mais merci d'être passé, Misaka. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh, ça sent le vieux screamer déjà. Hein, hein. Si on zoome, genre là. Hein, ouais. Vous allez le faire, hein. Ah là là. Et voilà, faut pas se mettre la pression tout seul. Il y avait rien du tout. Attention, hein. Ça va pas me plaire. Les gens ont vraiment réclamé qu'il y a un mode sans screamer. J'ai cru comprendre que les screamers, ils sont vraiment débiles. Genre, débiles. Du coup, je suis pas bien. C'est moi qui ai fait ça? Non, je crois pas. Bon, pas de panique, hein. Je suis déjà en train de paniquer pour rien, ça n'a pas de sens. On reste calme, on respire, on lit le chat un peu. Comment il va, le chat? Ah si, c'est moi. Quand j'appuie sur espace, je fais ça. Eh ben, bien. Bien, 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 bien. C'est cool. C'est cool, 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 cool. Oh là là, c'est cool. Oh, ça va être trop bien. Oh, je suis content d'être là. Shift pour courir. Courir trop longtemps fait du bruit et j'ai pas le temps de lire. Merci le jeu. Ok, c'est moi qui parle. Le jeu Backroom en VR est fait par les devs de SCP Labrat. Ah bah, il faut... Oh, super! Donc le jeu, il va pas marcher. Quelle chance. J'ai un pied de biche. Comment je... Sors ma lampe torche, c'est vrai que j'en ai une. Comment on fait? Un. Wow, ça change tout. Ok. Ok, pas de panique, hein. On en a vu d'autres. C'est pas notre premier rodéo. On va pas se laisser impressionner par le papier peint jaune. Pourquoi ça fait ça? Est-ce que je suis en danger ou c'est l'intro, c'est le tutoriel, on sait pas.
Il me semble que tu peux enlever le filtre VHS dégueulasse. Bah je crois que je l'ai fait, hein. Ah oui, non, il y a ça aussi. Après, ça donne un genre, hein. Ouais, non, c'est mieux sans, effectivement. Hein. Oh, je sais pas. Ça donne un style, quoi. En fait, bah, c'est juste un peu de flou, quoi. Oh, on va le laisser. C'est bien pour l'ambiance. Pourquoi la caméra, elle bouge? Bon, tu vas carry, j'espère, bien sûr. Parle pas trop fort. Oui, bah... je suis en live sur Twitch, quand même, hein. Il est mignon, le jeu. Bon, on va pas parler trop fort. Non, mais en plus, ça change rien. Si je m'approche du micro, ça part quand même dans le rouge. Salut. Salut, salut. Ah, bah, y'a rien. Bon, attendez. Là, c'est un cul-de-sac, donc déjà, on n'est pas content. Du coup, j'ai fait le tour de la zone, y'a rien. Alors, ça veut dire quoi, ça? On se moque. Ils tombent quand, les screamers? Que je sois fixé, hein. Allez, hein. Faisons-le. Je tourne en rond. Bon, y'a rien. Ça fait un effet fisheye aussi. Ah bon? Oh, peut-être, hein. Tout bien, tout bon. Bah, je vous avoue que là, à ce stade, de toute façon, moi, là, je suis pas concentré. En fait, je suis légèrement en panique, hein. Je serre les fesses. Ah oui, là. Le pied de biche ici, bien sûr. Et voilà. C'est parti. Maintenant, on fait le silence. Bon bah ça va. Ça va, c'est pas... Ça va le screamer, hein. Il était gentil, hein. C'est bien. Vos empreintes vont laisser une... Des... D'accord, j'ai des empreintes. Et donc les entités, elles voient mes empreintes. Ah, c'est super, ça. Vous me cachez sous la table. Wow, trop bien. Bon, on est bien sous la table. On va... Là, on respire un peu, déjà. On respire. On se demande si ça valait le coup. Ouh, bonsoir les gens qui arrivent. Bienvenue. Bienvenue. Décris-moi ta config précisément. Alors, j'ai pas entendu le mot magique. Et est-ce que tu crois que j'ai que ça à faire? Ce sera pas précis. Et j'ai une RTX 3070. Un i5. 12600K et 16 Go de RAM. Ça va. C'est assez précis. Oui. Y'a quoi ici, hein? Qu'est-ce qui m'attend? La mort? Ah, il faut une clé. Y'a des bruits. Il a déjà peur alors qu'il y a rien. Bah oui, c'est là le pire. C'est quand y'a rien. Quand on commence... Quand on connaît. Quand on prend l'habitude. Eh ben ça va. Mais quand y'a rien, tout devient possible. Hello? Ah, en fait, c'est scripté comme jeu, non? Ça a l'air scripté. C'est pas généré procéduralement, on dirait. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup d'endroits où je peux me cacher. Donc ça m'inquiète. C'est pas bon signe. On peut interagir avec des objets. Bah oui, c'est cool. Ah, très bien. Très très bien. Lire. Petit Timmy, quand il était petit, avec sa veste favorite, après avoir mangé son goûter favori, ah non, son repas favori, le poulet braisé. Trop content. Je t'aime. Bisous. Eh ben Timmy, c'est bien. Il a l'air sympa. Hein. On va poser, on va poser, au secours. Hop, pas de musique. Ça pète l'ambiance. Je suis pas bien. Je suis pas content d'être là. Imagine le monstre te fonce dessus parce que tu parles trop fort. J'aime mieux pas l'imaginer ça. Et je parle pas trop fort. Ah très bien. Des ombres. On essaie de me mettre le traxier, hein. Mais... Guys, this isn't funny. Oh ça pue. Je regrette. Je regrette. Oh. Oh j'ai que des regrets. Tab. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qui... Non mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Tab. C'est quoi ça? Une poupée, c'est joli. Il a un bras dans le bide.
Oh, je m'en fous. Strange Fitness Doll, hein, d'accord. Bon, allez, on se met en position PLS, comme ça, dans le coin, et puis on attend. Hein. De toute façon, le perso parle, ouais, c'est pas malin. Hein. Bonsoir les gens qui arrivent. Poulet frit, non? Comment ça, braisé? Bah, c'est pareil. C'est de la friture. Hein? Je vais encore où je veux, hein? Ça va, ça, c'est pas un screamer en fait, le jeu il exagère, y'a rien. Y'a rien. Y'a rien en fait dans le jeu. On s'inquiète pour rien et tout, c'est tranquille. Salut. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça, ça dégoûte. Hein. Dégueu. J'anticipe. J'anticipe le screamer. Ah, voilà, la clé. Voilà. Et oui, et là, du coup, on est dans la merde. Là, ça va mal tourner. Le retour. Ah, ah. Faisons-le. Ah. Tranquille. Tranquille. Il y a une ombre là par contre. J'entends des trucs. J'aime pas entendre des trucs. Les mannequins ils bougent. Bon allez c'est bon. Hein. On ouvre la porte. Très bien, c'est très joli. Très bien, c'était le petit Timmy. On va le suivre, hein. On va suivre Timmy. Hein, Timmy? Oh là là, Timmy, qu'est-ce que tu fous? Attendez, comment... Attendez, au secours, comment on fait pour faire certaines choses? Lynn, voilà, c'est ça que je veux faire. Se pencher. Ah très bien. Alors, c'est dégueulasse comme contrôle en fait, faut être con. C'est absurde. Ah très bien. Ah non, en fait le jeu est parfaitement scripté. Du coup. Bah bizarrement, ça m'inquiète moins. Les scripts, je lis à travers, je les vois venir. Je suis un connaisseur. Regardez, il y a encore Timmy. Tant que c'est que Timmy, ça va hein. Il m'impressionne pas Timmy. Ouh là là. Ok, prévisible, tout va bien en fait. Tout va bien. Je suis dans mon élément. Coucou. C'est quoi ça? La caméra qui bug, c'est censé vouloir signifier un truc. Je sais pas, je vais là. Voilà, au secours. Allez, tu appuies. Bon, est-ce que le son est bon jusque là? Vous entendez bien? Désolé, mais je suis mort de rire. Bon, bah, très bien. Tant mieux, hein. Bonsoir, tout le monde. Bienvenue. Je pense que le script, c'est juste au début. Ah, oh, merde. Nickel, le son. Ok. Alors, on le fait. On le fait maintenant. J'arrête de faire semblant d'avoir peur pour vous amuser. Maintenant, je joue pour de vrai, c'est-à-dire que je suis détente. Je suis serein. Pour moi, c'est juste un jeudi. Un jeudi comme un autre. Salut! Oh, il y a comme un type, mais... Il a peur de moi. Quand il me voit, il se tire, donc c'est bon délire. Je me fais respecter. Tu me manques, ne fais pas de bruit, je peux... Ça peut entendre, mais ça n'a pas de yeux. Très bien. On va faire le silence. Coucou. Ça va? Oh, c'est un mannequin encore, hein. Tranquille.
Tranquille, tranquille. Détendu là pour l'instant, hein. C'est bien. Bien, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est fermé. Est-ce que je vais bien? Bah la bouffe là. C'est pas le top. Silence. Alors si on marche là-dessus, ça fait du bruit. Très bien. C'est noté. Pourquoi il y a ma main qui apparaît? C'est dégueulasse. Ok, c'est bon, je suis pas impressionné. Guys, you Balek. Think this is funny? Ok, tranquille. Bizarre, y'a un mec qui a fini le jeu en 46 minutes. Eh bien, tant mieux pour lui. Ça va mal tourner là. Là, j'en suis à peu près sûr. Ça pue. Drake, Leo. Oh, c'est pas de porte. Anyone? Oh! Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Salut. Bon, je vais où du coup? Je fais pas demi-tour, hein. C'est non. Je ne crois pas, non. C'est dur mentalement quand même. Allez, allez, on y va. Vite, viens. Ça va, tout va bien. Panique. Nouveau ça. Salut. Si tu cries très fort, ça fera peur au monstre. Ah bien. On va le faire alors. Ça, je peux le faire ça. C'est dans mes cordes. Il y a des bruits. J'aime pas les bruits. Salut Timmy. Ah très bien. Très bien. On tourne encore en rond. Du coup, je vais le bouffer mon screamer, oui ou non? La patience, hein! Timmy! Au pied! Je te conseille d'utiliser la peinture pour te repérer. Comme quoi? Quelle peinture? Ah oui, attendez, j'ai une réserve de peinture, ça veut dire quoi ça? Le jeu me l'a pas appris. Fire! Quoi? Comment ça, fire? J'ai trouvé un flingue après, ça sonne bien. Mais j'ai pas de peinture. J'ai une réserve de peinture, mais je peux pas l'utiliser. Mais il y aura un truc à faire avec ça, ok, très bien. Bon, le jeu essaie de me mettre la pression, mais ça marche pas du tout, parce que je suis chevronné, en fait. J'ai rarement peur. Des fois, j'ai peur. Parfois. Je l'admets. Mais... c'est quand même assez rare. Allez, on court, hein. Oui. Salut. On tourne en rond, quand même, là. Hein. Bonsoir, les gens qui arrivent. Bienvenue, hein. Tire avec la pile Duracell dans ton inventaire, Max. Ok. Non, c'est vrai que c'est une Duracell. C'est de la pub. C'est de la pub pour le Pino. Je vais le prendre, mon screamer, oui ou non? Livrez-moi mon screamer. Ah, je suis là. Ah. Si je perds, je recommence pas à zéro, hein. J'espère. Parce que c'est vrai que là, clairement, c'est l'intro, et elle est longue, l'intro, hein. Ah, mais qu'il est con, ce jeu de merde. D'accord, c'est ça, hein, c'est ça, en fait, oui, c'est ça. Très bien. Let's get out of here right now. Commence pas à chouiner aussi, hein. C'est moi qui chouine ici. Je suis perdu. Oui, je tourne en rond, hein. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est par là, non? Coucou. Salut.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, c'est par là. Hein. Du coup, tu peux l'utiliser pour la lampe. J'ai besoin d'une clé, ça. C'est vrai? Pourquoi ça fait ça, le jeu? Allez, hein. Allez, on fait l'effort. Salut. Mais pourquoi? Eh oui, bah, je me pose souvent cette question quand je fais les jeux d'e-spook, hein. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi je suis là? Je pourrais aller me coucher. Ça dégoûte. Mais pourquoi? Oh, une clé, trop trop bien. Allez, je la prends et après je mange un screamer. La pile sert pour la lampe. C'est ce que j'ai présumé, mais ma lampe n'est pas encore vide. Et je vais l'épuiser jusqu'à la dernière goutte. Oh! Tu vas jamais me trouver! Je suis pas là! Psst! Bon bah ça marche pas. Tout va bien alors. Alors... Bah le voilà ton screamer, oui, c'est sympa, effectivement. Heureusement, je lisais le chat, donc je l'ai subi qu'à moitié. J'ai connu pire. Mais c'est vrai que c'était un peu agressif, quand même. Légèrement. Bon, le coup du micro, non, tranquille, hein. Il gigote, mais il entend rien, c'est absurde. Ouais, traite le monstre de gros nul. T'es trop nul, le monstre! Ah, tu sais pas où je suis, hein? Non, mais il est plus là. Allez, on se tire. Ok, pas de panique. Hein. C'est bon maintenant. Maintenant, on est désensibilisé. On n'a plus peur de la menace. On y va tranquille. La flèche peut me guider. Très bien. Ah! Suivre la piste de sang. Eh ben oui. Faisons-le. Ah, c'est la radio. Tais-toi. Maintenant, tais-toi. Oh, j'ai l'impression de voir des trucs. Je suis pas là! Tu vas jamais me trouver, t'es trop nul, le monstre! Bon, ça va, je crois que cette mécanique est pas très importante. Tant mieux. Ça nous arrange. Il arrive, non, non, il arrive pas. Parce qu'il a peur de moi, le monstre! Il a peur, le monstre, hein? Il sait qui je suis! Pour faire des petits screamers, il y a du monde, mais quand il faut assumer... Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. J'entends ces patounes quand même, hein. Siffle un coup. Ah, tu veux dire dans le jeu? Ah, ça marche pas. Je peux pas dans le jeu. Appuie plusieurs fois sur espace. Ça fait rien. Bon, alors, par contre, le monstre, il va être là tout le temps, en fait, du coup, maintenant. Il va tout le temps tourner, quoi, ouais. Donc ça devient sérieux, là, quand même, hein. Ouais, mais du coup, si je meurs, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je me retape pas toute l'intro, c'était un peu long. J'espère qu'il y a des checkpoints ou quelque chose, hein, parce que ça va pas le faire, sinon, ça. Hein. On va rester discret.
C'est pas moi! Bon, le son, ça va vraiment, hein. Me disant, il peut pas voir, il peut que entendre. Bah, j'ai bien l'impression qu'il peut pas entendre non plus, hein. Donc, on est tranquille. Ça se rapproche quand même, là. Ok, super. Super, c'est super. C'est tout ce qu'on aime. Au secours ! Pourquoi ? Il n'a pas fait de bruit ! Eh ben, c'est très agréable, hein. Point de vue sonore. Je recommence pas au début, hein. Sinon, c'est fini. On dirait que je recommence au début. C'est fini, j'annonce ça, on va se coucher, hein. Ah, je peux déjà siffler. Putain, nom de Dieu, je recommence vraiment au début. Oh non! Mais, bah non, mais ils sont bourrés les développeurs ou quoi? On a que ça à faire! Timmy! Oh, puis faut retaper l'intro et tout! On peut même pas passer la cinématique! Oh, bon, je vais me coucher! Oh, yeah, Drake! Oh yeah! Whoa! Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est une plaisanterie! Visiblement, on a que ça à faire, ok. Oh. Moi, je dis on fait de la VR. Alors, moi, je dis que c'est mort, parce qu'en fait, c'est la canicule, donc je mets pas le casque, et puis j'ai pas envie. Bon, on va speedrun, hein. J'imagine que c'est... Non, mais attendez, parce que je crois qu'il y a un système de sauvegarde dans le jeu, en plus. Ils pouvaient pas nous filer une sauvegarde peu après la première apparition du monstre, du coup. Hein, ce serait un peu la moindre des choses, hein. Tu sors le Marcel, hein, une autre fois. Il y avait un load game, bruh. Bruh. Ouais, mais oui, mais il n'y a rien à load. Bruh. Il n'y a rien à load. J'ai pas pu sauvegarder. Bon, sans déconner, alors quand on atteint le monstre, va falloir jouer extra sérieusement. Jusqu'à au moins trouver une sauvegarde. Faut pas tu parles fort, sinon il t'entend. Hein, on avait compris. J'ai voulu tester un peu les limites. J'ai été un peu audacieux. Voilà. Non mais il déconne, parce que soi-disant, il voit rien. D'accord? Et il m'a vu quand il est arrivé. Salut! Il m'a vu en arrivant. Donc... Ah, faut revirer ça encore. Hein. Normal. Je vais être gentil. Ben, même les options se réinitialisent. Il plaisante le jeu, hein. Bon, on s'énerve pas après le jeu. C'est sûrement très bien. On est gentil avec le jeu, on le respecte. C'est à toi de sauvegarder en fait. Oui, mais je sauvegarde pas où je veux. Donc il doit y avoir des endroits où on peut sauvegarder. Et ils auraient pu en mettre un d'endroit où on peut sauvegarder. Avant qu'il y ait le monstre. Ça aurait été respectueux du joueur. Essaye de pas crier comme un débile. Bien. On va faire ce qu'on peut, hein. C'est une façon de parler aux gens, j'imagine, hein. Ça ressemble à quoi, un point de sauvegarde? Bah, à vous de me le dire, hein. C'est pour ça que le chat est là. Pour m'aider dans les moments difficiles. Et là, le chat, il a pas trop soutenu. Il s'est beaucoup moqué, le chat. Il a bien ricané. Mais alors, pour filer un coup de main, il y a personne. Regardez Timmy. Timmy, il est dégoûté de votre attitude. Regardez-le. Très bien. Là, il y a une ombre. Mais moi, ça m'impressionne pas. J'ai pas peur des ombres parce qu'en fait, y'a rien.
Et oui. Et oui. Et oui. Bon, après, en soi, ça se speedrun. Hein. Enfin, ouais, non, non, si, quand même, non, c'est un peu long, si. Ouais, non, on va vite trouver une sauvegarde. Je crois que c'est un PC pour sauvegarder. D'accord, bah, va falloir le trouver rapidos, hein. Enfin, ils sont bizarres, les développeurs. Après, j'avais une autre option, hein. J'ai fait reset quand je suis mort. Et j'avais une option qui disait end tape. Donc, je sais pas si. Enfin, de toute façon, c'est pas clair du tout. Mais ça aurait peut-être fait un résultat différent, hein. Alors peut-être pas du reset. Le poste radio serait pas un point de sauvegarde? Ah bah ce serait bien ça, ouais. C'était quand qu'il y avait un screamer? Ah ouais, c'est là. Non, celui-là ça va, mais il y en avait un bizarre à un moment là. Je me souviens plus, je vais me refaire peur. Ah! On économise les piles tant qu'à faire, hein, vu qu'on est tranquille, on sait qu'il n'y a rien, il n'y a pas de danger. Le jeu est grave prévisible, je trouve. Bah, dans l'intro, certainement. Mais c'est-à-dire que quand on rentre dans le vrai jeu, de toute façon, c'est plus scripté. Il y a juste le monstre qui se promène. Donc, ce qui est prévisible, c'est que je perds bêtement. Ça, c'est prévisible. C'est pas ça pour sauvegarder, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu me fais, le jeu? Allô? Qu'est-ce qui t'arrive, le jeu? Ça ne marche pas du tout, en fait. Très bien. Ça n'a pas l'air de sauvegarder. C'est quand les screamers, déjà? Vas-y, Max, t'es le meilleur. Le jeu, tu l'éclates. Enfin, espérons. C'est con, ça partait bien. Tu m'as eu dans la première moitié. Mais le espérons, bof. Hello. Ah, je l'avais pas trouvé, ça. Ah, bah, d'accord. Le paint gun. Bon, bah, on a bien fait de perdre. J'allais faire tout le jeu sans. D'accord, donc c'est à moi de marquer autour de moi, quoi. D'accord. Ah, mais bordel, mais on peut... Mais c'est ça. C'est pour sauvegarder. Oh, je l'ai raté! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ouais. Bon, ben voilà, problème résolu. Ouais, je joue les yeux fermés, en fait. J'ai raté deux trucs extrêmement importants. Alors que j'ai joué doucement, hein. C'est terrible. Ça dégoûte. Je suis un loser. Coucou. Ah, donc je peux faire un dessin, là. Non. Non, je vais pas aller au bout de mon projet. C'est stupide. Bonjour. Je peux pas lui dessiner sur le visage, mais franchement... Franchement, pourquoi ils l'ont développé le jeu, hein? Si on peut pas s'amuser. Coucou, les fantômes. Même si tu l'entends de très loin, cache-toi des fois. Eh ben... Ouais, des lunettes, voilà, exactement, c'est ça que j'ai fait. ouais, bah après, tout à l'heure, on l'entendait très loin, et justement, il avait du mal, hein. Non, je pense que le monstre, il est nul. Là, je me suis un peu suicidé, on va pas se mentir, c'était stupide. Mais cette fois, ce sera différent. Guys, you think this is funny? Je vais me monter le son, tiens, j'ai envie de subir. Fais gaffe, je t'adore. C'est quoi, c'est une menace, du coup? C'est inquiétant, hein, mais merci bien. Drake? Leo? Anyone? Quelqu'un? C'était pour tester le jeu que tu es mort, rien de plus. Exactement, comme ça vous verrez ce que ça fait quand on meurt. Parce que ça n'arrivera jamais si je joue sérieux.
C'était pour vous montrer, pour que vous ayez vu au moins une fois, parce que maintenant c'est zéro mort. Il te repère à ta voix, fais gaffe, t'inquiète Zizou. Il repère rien du tout. Mentalement, je suis au-dessus. Je vais bientôt passer en mode ASMR. Pour votre plus grand plaisir. Ça va devenir un stream agréable. Qualitatif. Après, je vais lécher le micro. Hein, c'est ça qu'ils font, hein. J'ai pas d'ongles. C'est quand les screamers? Je me souviens plus. Coucou. Coucou. J'espère que je peux re-sauvegarder après, parce que même cette séquence-là, c'est trop long, hein. Un petit peu relou, quand même, le bazar, hein. Fin du live, 3h, mais ça suffit. Ça suffit, hein. Screamer bientôt, c'est vrai? Oh mais bordel, mais dis donc! Mais je les invoque les screamers, hein, à chaque fois que j'en parle! Bon, merci, une carotte cuite. T'as voulu me prévenir, hein? Ça n'a pas marché, j'ai quand même eu un léger sursaut. Ça va être là, hein. Donc je peux revenir en arrière à sauvegarder, là? Ce serait fort aimable. Que j'ai autant de sauvegardes que je veux. Bordel, il veut pas. Eh ben, je l'ai dans l'os. Ouais, je crois. J'ai vaguement lu la page Steam. Je crois qu'il y a une mécanique à la Resident Evil, non? Il faut que je trouve des objets pour pouvoir sauvegarder. Oh, donc j'aurais dû sauvegarder après au lieu de faire cette séquence. Oh là 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 là. Bon, allez, c'est pas grave. On reste calme. On reste calme. Il n'y a pas de raison de s'énerver. Voilà! Voilà. J'assume, hein! J'assume! Je suis pas allé par là, non? Est-ce qu'il y aurait pas un petit screamer pour moi juste ici? Allez, mets-moi bien le jeu! Ah! Ne cours pas. Ne respire pas, c'est pratique ça. Ferme les portes! Où il va remarquer, d'accord? Marque ton chemin. Attention aux empreintes que tu laisses, n'est-ce pas? Cache-toi. Et les flèches peuvent te guider parfois. Ok, super. C'est super. Bon, il faut que je me crée un code alors, visuel. Par rapport aux traces que je vais laisser. Je suis pas prêt pour réfléchir. Ne réfléchis pas et fonce. Ok, c'est bon. C'est parti. Je le fais. Je le fais là. Pas de panique. On n'a pas peur. On dégonde les portes. Pourquoi? On prend la clé. On se pose pas de questions. Hein. On est détendu. On respire. On ouvre grand les yeux. Tout va bien. Ah! J'ai pas peur, je suis pas inquiet. Très bien. Je reste silencieux si je veux. Bon, je vais pas jouer au con jusqu'à la prochaine sauvegarde, quand même.
Ce serait bien. N'oublie pas de laisser les portes ouvertes. Non, faut que je les ferme les portes, non? The Real Max, c'est quoi ce pseudo déjà? Tu mens au public? C'est pas le Real Max. Parce que c'est moi. Tu mens au public. Tu me dis de laisser les portes ouvertes. Tu mens. Il faut les fermer les portes. Mensonge. Quel objet il faut pour sauvegarder? Un truc en rapport avec la télé, du coup, j'imagine. Une VHS, une connerie comme ça, non? Ok, on y va. Reste silencieux. On se détend, on respire. Ça va bien se passer. Il faut trouver la VHS. Mais c'est une blague, ce putain de jeu! Allez! Pourquoi tu fais ça? Ça suffit! Ça suffit! Couchez! Ah ah non, je vais pas le refaire! C'est pas cool, ça dégoûte. Ah très bien, les portes, elles dépotent, merci! Bon, allez, on enlève l'option du micro, parce que c'est de la merde. C'est hors de question, on va pas jouer dans ces conditions, j'ai trop le seum. Qu'est-ce que c'est que cette daube? On a fini le jeu? J'ai gagné? Ça met bien. Bon, allez, on va relancer ça. Et l'option du micro, ça dégage, hein. Parce que stop, en fait. On va pas réussir dans ces conditions. Donc, on laisse tomber, hein. T'es trop fort, eh ben merci. Ah, on me congratule dans le chat, c'est sympa. Eh oh. Allez, on rechange les options, parce que faut le faire à chaque fois. Oh non, ça dégage, hein. On va pas y arriver. Je suis un streamer sur Twitch. Donc faut bien que je vous parle. Sinon, pour gagner, je suis juste obligé de la boucler tout le temps, hein. De toute façon, il entend quand même le bruit qu'on fait, n'est-ce pas? En courant. Ou en marchant sur les trucs, donc la mécanique est quand même plus ou moins fonctionnelle. Et puis je peux faire ça. Merci Kira, pour l'abonnement. C'est fort gentil. Y a plus la teubie. Pas grave. Allez, oh là là, faut se refaire les couloirs. Oh là 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 là, oh, ça par contre. Hein. Oh, ils ont ruiné. Oh, ils ont ruiné. Ah oui, putain, c'était long en plus. Oh là là. Allez, on y va. Rock est le faible. Mais non, gars. Mais non. Je suis obligé de l'enlever. La mécanique n'a pas de sens. Elle n'a pas lieu d'être. Guys, you think this is funny? Non, non, Kira. Juste pas Kira, juste pseudo déjà pris, d'accord. C'est vrai que ça fait beaucoup de I et de Y.
Demi-tour. Anyone? Ben, c'est infernal ce truc. Bon, ce coup-ci, c'est la bonne. Je vais pas pouvoir me trahir. Donc ça va fonctionner. Pas de problème de volume. Une victoire facile pour la France. Une fois de plus. Une fois de plus, ça va être un triomphe. Bon, au pire, si vous êtes sage, on remettra peut-être le micro. Mais après la prochaine sauvegarde. Parce que là, j'en ai marre de me buter moi-même. Par contre, le mode sans jumpscare, du coup, je me demande... Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Hein, on m'a menti sur la marchandise. C'est pas si terrible. Je pensais que ce serait vraiment gratuit et beaucoup plus violent. Bon, après, on n'a pas tout vu. On n'arrête pas de perdre, de recommencer. Essaye de dessiner ton œuvre d'art sur la tête du monstre. Eh ben, on le tentera, hein. Ça se tente. Je vais par là. Oui. Par là. Wouhou. Je marque le chemin. Ma réserve de peinture se vide pas. C'est pas possible, hein. I need to get out of here right now. C'est cela, mon ami. Tu m'en diras tant. Il faut qu'on trouve une VHS. Pour l'introduire dans la télé. Yeah, il pleurniche, écoutez-moi ça. Dessine des teubis pour te repérer et mets-les dans le sens d'où tu viens. Voilà qui me semble pratique. C'est une bonne suggestion, The Real Max. Bonsoir, bienvenue! Oh my god, oh my god! Chouineur, va! Cesse de chouiner! Les screamers font plus peur que sur FNAF Security Breach. Sans blague. FNAF Security Breach, il fait peur, mais pas pour les mêmes raisons. Ça fait peur de voir qu'on peut faire ça. Qu'on peut produire une chose pareille et la vendre à 40 euros. C'est ça qui fait peur. Et c'est le jeu de l'année, donc ça va. On peut y aller là ou... Coucou. Tu l'as eu à 0€. Ouais, bah c'est bien la moindre des choses, hein, c'est ce que ça vaut. Ils ont même dû me payer. Bon, on va se calmer là par contre, sans déconner. On va aller à l'opposé des bruits. Alors, ça je comprends pas. Faut ramener les objets qui sont indiqués, c'est ça? J'ai trouvé une Polaroid Picture, hein, c'est trop bien. Est-ce que je peux avoir une VHS? S'il vous plaît. Je voudrais sauvegarder. Je souhaite effectuer une sauvegarde de ma progression. Il faut marcher doucement. Putain, il me suit ce con, il m'entend ou quoi? J'ai des empreintes? Ne me dites pas qu'il est en train de suivre mes empreintes et qu'il va venir me buter. Je vais désinstaller, hein. La désinstallation va se produire là bientôt, hein. Il est tout près ce con. Je peux me cacher quelque part? Non? Je peux couper des chaînes, mais c'est super gentil. Est-ce que je pourrais sauvegarder le jeu? Timmy! Non mais... Barre espace. Ah!
Alors, non seulement il n'y a pas de barre espace qui tienne, mais on va même... Je sens que je vais appuyer dessus par accident, donc c'est où? Nom de Dieu! Attendez, ah non, voilà. Jump? Mais c'est quoi ce gros mensonge? Ça jump pas du tout, la barre espace, ça me fait siffler. Bon, on va le mettre ailleurs. 9. Je peux pas appuyer dessus par accident. Voilà. Là, t'abuses beaucoup, genre tu la suis. Bah oui, non, mais je... non, parce que je vais appuyer dessus par accident. Si je veux appuyer dessus, ce sera sur 9 à l'autre bout du clavier. Pas d'accident, hein. Avec une bombe, tu peux tracer des flèches sur les murs pour tracer ton chemin. Ouais, je suppose, mais en fait, je sais pas quoi tracer hein, pour l'instant, parce que bon. J'y vois pas encore trop d'intérêt. Je voudrais juste sauvegarder, parce que vraiment, là, si on remeurt, je vais déprimer. Il est où le monster, là? Le monster Munch. J'ai cru voir Timmy. Je suis à peu près sûr que j'ai vu Timmy. Je suis sûr à 90%. J'ai vu Timmy. On m'a dit de suivre les flèches, mais pas tout le temps. Est-ce que là, c'est le moment où il faut? Je vois des ombres et tout. Oh, ça pue. C'est le pire moment de ma vie. Je regrette d'exister. Au secours. Timmy, pourquoi tu fais ça, Timmy? Timmy! C'est quoi, c'est pour sauvegarder? Non, c'est de la merde. Sans déconner, le jeu pouvait pas donner une sauvegarde à peu près à ce moment-là. Ce serait bien! C'est le pire jeu du monde. Il est trop près, je ne bouge plus. C'est fini. Alors c'est pas la peine de... Tu es en train de spammer un lien là, Lord. Il marche pas le lien, hein. Ça fait des étoiles, ça marche pas. Pas la peine. On le voit pas ton lien. Non, je vais rester planté là, là. Je suis inquiet. Pas le moment de mourir. Attendez, il est censé être juste devant, là. Pourquoi je vois rien? Non, il est derrière. Je vois que là, là. Ah non, il est là. Ah oui, si, je crois qu'il est là, mais franchement, c'est pas clair, hein. Faut faire une croix quand tu as peur pour indiquer que tu y es déjà allé. Et quand tu n'as pas peur, tu mets aussi des croix. Quoi? Ok. Bon, on va mettre des croix, quoi. J'ai un bon sens de l'orientation. Donc je suis pas sûr d'avoir besoin de cette mécanique de traçage de petites croix, là. Ah, j'entends rien. C'est peut-être maintenant, hein. Ok. Puis-je bénéficier d'un point de sauvegarde? Ah, très bien. La piscine. Pas le choix, faut y aller. Le flamant rose. Oh merde! Bon. Que tout le monde reste calme. Why? Non, arrêtez. Non, il y a des bruits. Arrêtez avec les bruits. Je suis la flèche. Arrêtez! Arrêtez! Je veux sauvegarder! Je vous jure que j'ai désinstallé, hein. Si je meurs, c'est fini, on désinstalle. Bonjour! Je ferme les portes. Ah, très bien! Ça, c'est big fun. Là-dessus, on va manger un screamer. On va le déguster. Pourquoi tu fais ça, le jeu? Ah, très bien. Quel est cet item? Ouais, si tu veux, Yellow Rain Jacket, bien sûr. Je peux sauvegarder? C'est quoi ça? ICU, ouais, t'es gentil. Salut, y'a quelqu'un?
Oh là 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 là. Oh là là. Fais-moi une dédicace sur le mur. Mais oui. Mais c'est une blague ou quoi en fait ce jeu? Je ne comprends même pas ce qui se passe en fait. Je ne comprends pas. J'ai trouvé un objet jaune. Mais j'ai toujours pas sauvegardé. Demande au monstre de sauvegarder. Très bien. Un petit grain sur le mur. Non, je ne crois pas, non. On va le faire. Attendez, c'est quoi ces bruits là? C'est la bestiole ou c'est autre chose? Je suis pas sûr en fait là. Dur à dire. Ouais. Dans tous les cas, ça fait beaucoup de temps sans sauvegarder. Ça ne me plaît pas. Coucou. Oh, oh. La télévision. Use. Là on est bien. Maintenant on peut s'amuser. Allez, c'est pour votre plaisir, hein. On réactive le micro. Et on fait le silence. Je vais pouvoir reposer ma voix. Eh oh! C'est censé être un cœur, mais là... j'ai un mauvais pressentiment. Sous la table. Je peux pas. Nous sommes perdus. Il ne peut pas me suivre dans la save room. On est bien! Il fera rien du tout! Faites des blagues comme ça, il va rire. Ah, très bien, on essaie de m'anéantir. Hein. Dessine un casque vert sur le mur, une dédicace sur le mur, mais c'est pas bientôt fini! Ça vous dérange si on gagne? Coquins, vous êtes des coquins, hein. Coquinou. Allez, on y va. On affronte notre destin. Bon, il peut pas nous suivre dans les save rooms, on dirait, hein. En vrai, je vais réessayer parce que c'est une bonne information. Je vais vraiment essayer de l'attirer juste devant. Voir s'il suit pas du tout. En vrai, ils ont mis de quoi se cacher, donc s'il doit pouvoir rentrer. Vous voyez comme un truc étrange là-dedans. Je ne peux pas peindre le flamand. Je ne peux rien dessiner. Le jeu est définitivement médiocre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vole? Ah non, c'est un plongeoir. Peut-être que je peux plonger. Oh! Oh, ça met bien! J'ai plein de piles.
YOLO, hein. Faut pas monter. Merde, la touche pour sauter, elle permet pas du tout de sauter! Why? Ouais, si tu veux le jeu. Je ne suis pas inquiet, j'ai sauvegardé. Bon, une petite dédicace pour Grr. Parce qu'il est efficace, hein. Et voilà. Même pas sur le mur. Et ouais. C'est cadeau. Oh. Bon. J'ai plus peur. Étrange phénomène. Des patounes. Ah, fallait que je suive le sang. Bah, je suis au bon endroit. Je sais plus d'où je viens. Charmant. Ah, très bien. Il faut pas faire trop de bruit là. Ah, le pinou! On peut jamais faire confiance au pinou. Saleté. Crevure. Il faut chanter la reine des neiges, je jure, il vient. Très bien. Très bien. On ne va pas le faire. Bon, je ne suis pas inquiet. Le jeu est facile. En fait, c'est détente. C'est une partie de plaisir. C'est un bon moment qu'on passe entre amis. Sur Twitch. Je me perds un peu quand même, ouais. Il faudra que je puisse revenir à l'espèce d'hôtel que j'avais vu, parce que je crois que je devrais ramener les objets que je trouve là-bas. Et c'est vrai que c'est plutôt grand. Donc là, si je devais y revenir, je pourrais pas. J'ai dit que j'avais un bon sens de l'orientation, hein. J'ai menti. Je me suis surestimé. J'ai pas du tout. Je ne sais pas. J'aurais fait une croix juste pour indiquer par où je suis passé. Ce serait déjà... Ce serait le minimum, quoi. Il court quand même, là. Il vient me chercher. Hein. C'est vrai que j'ai parlé un peu fort. J'ai tendance à oublier que j'ai remis la mécanique du micro. Donc je suis censé faire le silence. Pas de bruit. J'ai trouvé le petit train. Trop banal une croix. Bah, c'est-à-dire que je vais pas faire un Picasso à chaque fois que je dois signifier par où je suis passé. Donc la croix, ce sera très bien. Respectez mes talents de graffeur. Je vous prie. Il n'y aura pas de screamer là. Il n'y en aura pas. Regardez. Regardez, il n'y a rien. Vous avez vu, il n'y en a pas. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Très très bien. Je peux partir sinon quand même, parce que hein, c'est bon. Hein. Voilà, j'ai ma dose. Bonjour. Faut que je signifie même à quels endroits il n'est plus utile d'aller. Donc trouvons un symbole. Parce que là, il n'y a pas de raison que je retourne là. J'ai trouvé l'objet, l'item. Donc. Voilà. Accompli. C'est pas clair, ça ressemble à une croix que j'aurais pas eu le temps de finir. On va faire un triangle. Un triangle isocèle. Bon, il y a quatre côtés. Ouais, c'est bon, on ferme là. On fait un gribouillage. Voilà. C'est bon. Et puis, me jugez pas, hein. Merde, je dois baisser d'un ton.
souviens où il faut aller. Panique, on est en sécurité. Tout va bien. Bonsoir les gens qui arrivent. C'est un parallélogramme. Voyez-vous ça, Esteban? Tu t'y connais en géométrie? C'est plutôt stylé. Max écrit chaque abonné sur le mur, mais bien entendu... Bon, attendez, parce que là, je recommence à entrer dans un état de panique. Il est pas loin, ce con. Easy le jeu. Ouais, maintenant, vite fait. Parce que là, je commence à me dire, j'ai trouvé quelques objets. Donc même là, si je mourais maintenant, certes, on va pas refaire l'intro, mais ça va quand même être très chiant. Donc, on se remet dans un état où il faut pas mourir. Comment je fais pour sauvegarder? Alors, donc c'est une fois par télé en fait. C'est pas... Mais attendez. Petite pause. Je vais ouvrir Steam. L'application Steam. Sur mon ordinateur. Et je vais jeter un œil. Parce que je suis à peu près sûr qu'il y a des objets que je peux trouver pour sauvegarder. D'accord, il l'a dit le type. C'était marqué. Alors, oh là là, il y a trop de trucs, hein. Limited saving system. You can only save limited number of times in a safe room. If you lose after the limit... Ah merde. Donc oui, non, si. Donc en fait, non, il n'y a pas d'objet. C'est une fois par save room, quoi. Ça me fait déprimer. Ça dégoûte. Bon, bah on y retourne. Qu'est-ce qu'il raconte dans le chat? Qu'est-ce qu'il raconte? À la place de la croix, un smiley triste pour inutile et un qui sourit pour utile. Et bah voilà, ça c'est une bonne idée. J'adore dessiner des smileys. Max ouvre Steam sur ses trois écrans 4K. Non. Non, j'ai qu'un seul écran. Eh oui. Je suis ce genre de streamer. Alors. Bon, donc, ouais, donc ça va être ça, en fait. C'est juste une fois par télé. Pouh là, quel enfer. Donc, faut se trouver une autre save room. Ou non, en vrai, si on est malin, il faut attendre le plus longtemps possible, quoi. Avant de re-sauvegarder. Pour que ça arrive vraiment le coup. Mais je prends des risques. C'est chiant. Ça ne me plaît pas. Bon, on va essayer de retourner à l'hôtel pour poser nos objets. Suite à quoi, nous allons essayer de trouver une télévision de type cathodique pour procéder à la sauvegarde. La créature est tout près. Je vais probablement mourir. Ah, c'est le pinot. Ah, c'était le pinot, je m'en rappelle. Faire bouffer, je le sens. Je suis fini. Ah, c'est par là, non? Je me rappelle plus. Non, c'est pas par là. Si, c'est par là. Là, faut pas y aller. Oui, je l'ai ouvert en cas de danger. Non, c'est de la merde. On va faire un smiley triste. Qu'est-ce que c'est que ce point à la con? Fais un œil! Bon, voilà.
triste. Pas content. Coupe de cheveux. Oreilles. Petit corps, frêle. Énorme pied. Gros pied. Tranquille. Petit bras. Voilà. Pas mal. Qu'est-ce que je fais? Oh, je suis vraiment un guignol, hein. Vous avez pas honte d'être là sur ce live stream? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je croyais que je venais de là. Mais... Non mais le jeu il se moque de moi. Parce que si je venais carrément de là. Non. Oh mais qu'est-ce que c'est stupide au final ça. Et si je venais de là en plus? Putain mais oui là. Voilà, c'est sympa comme stream. J'espère que vous passez un bon moment. Décider à foutre le camp, hein? Donc on va devoir bouger. Tu t'es mis dans la pire cachette? Non. On dirait bien oui. Je suis en plein milieu de sa ronde. Bonsoir les gens qui arrivent, bienvenue. C'est un live stream ASMR.
Les objets sont là, mais je les ai dans l'inventaire aussi. C'est quoi cette connerie? Bon bah voilà, ça se passe plutôt bien. Au dernier live, je te disais, si t'étais capable de faire de l'ASMR pendant une vidéo horreur, tu viens de relever le défi, et bah voilà. T'es content? Suffisait de demander. Je vais prendre un screamer, là. C'est maintenant. Non, tranquille. Alors, je vais signifier que... Ah, j'adore, merci le jeu. Voilà, tu ne fonctionnes pas le jeu en fait, c'est sympa, tu es un jeu de merde. Non mais on se fout du monde quoi. Putain de jeu de merde. Bon, une flèche pour dire qu'on est par là. Oh, what up, son? Merci Matelot. Tu es bien aimable. T'es un mec sympa. Je sais pas pourquoi. Essaye de jump. Ça pue un peu là quand même. Ouais, ça pue un petit peu là. Ouais, c'est pas bon. Me soigner, bien sûr. Comme si je pouvais sortir quand je me fais attaquer, de façon... C'est quoi ça? Écoutez ça. J'ai peur. Ok, ok, le jeu. Vite. C'est quand tu veux, le jeu. S'il te plaît. Si le monstre te fonce dessus, hurle pour lui montrer qui est le plus fort. Je le ferai. C'est une bonne idée. De la merde. Très bien. Attendez, il fallait plein d'objets. Putain, il en fallait 6, j'en ai trouvé que 2. Ah ouais, il faut vraiment trouver genre plein de trucs. Ok. Enfin non, 6, ok, bon. Très bien. C'est cool. C'est une cachette par là.
Il peut pas ouvrir les portes, le monstre, je crois que si. Je pense que si. C'est vrai que ça va devenir compliqué à ce stade. J'aurais peut-être désactivé le micro. On va faire un truc participatif. Oh, what up, son? Oh, très bien. Allez, Max, tu vas gagner. Merci bien. Merci pour le troisième mois. On va faire un sondage. Eh oui, j'adore les sondages. Très bien. Est-ce que ça marche? Vous pouvez choisir si je devrais jouer avec ou sans le micro. Parce que c'est bien mignon l'immersion. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Je peux pas parler du tout. Vous allez décider. Ah très bien, ça part bien. D'accord, on veut que je continue avec le micro. Et si ça vous dérange pas que je parle pas beaucoup et que je chuchote, alors on fera ça, hein. Je laisse le micro. Sondage terminé. On va avoir un autre problème avec le coup du micro, hein, c'est qu'il capte les bruits d'autre chose. Hein. Je vois le micro qui fait brrrr alors que je suis pas en train de parler. Donc ça va être ça le problème aussi. Hein. Si j'appuie un peu trop fort sur mon clavier et que le machin il vient me buter à cause de ça, ça va être un problème aussi. Hein. Mais le chat a voté. C'est le chat qui décide. J'ai venu ici. J'avais pas marqué la porte. Bon, le monstre, il casse les couilles, hein!
On veut que je refasse un sondage maintenant. Un jour de nouveau du hôtel Rock'n'Roll, non, il y a peu de chance. Non, je vais pas refaire le sondage. De toute façon, je l'enlèverai si je le décide. Parce que c'est encore moi, le grand big boss, ici. J'ai bien envie de le laisser, mais c'est vrai que d'un côté, ça nous complique la tâche. Hein. Mais bon, si vous, ça vous dérange pas que j'ai pas le droit de parler, alors faisons-le, hein, ça change. Le monstre, il nous casse les couilles, là, quand même. Il campe là où on doit aller. Et ça commence à me faire chier. J'aimerais bien avancer dans le jeu. Je devrais peut-être essayer de le feinter, quoi. Ouais, non, c'est de la merde, ça. C'est une idée à la con. Non. On va pas faire ça. On va y aller tranquille. Détendu. Serein. Le problème, c'est que le sprint, il sert à rien. Parce que je vais à 2 à l'heure. Ça a bougé. Mais les décors changent, en fait. D'accord. Je peux aller par là. Ok. Mais c'est le monstre de Amnesia The Dark Descent. Ah cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Soir. Oh, des soins, j'aurai vachement le temps de m'en servir quand je me fais one shot à chaque fois, c'est super ça. Merci le jeu. Est-ce que je peux sauvegarder, s'il vous plaît, un jour? Hop là, j'ai la photo, ouais. Voilà, belle photo. Ça met bien. Et voilà, quel jeu de merde! Là, on a trouvé 3 objets sur 6. C'est pas mal. Et je pouvais sauvegarder maintenant. Derrière, on finit tranquille. Tranquillement. Je reste persuadé qu'il peut pas passer les petites portes. Ça m'étonnerait, sinon c'est trop facile. Genre même celle-là, là. Là où je veux aller, quoi. Essayer d'y aller parce que on s'endort. Hein. Ça pue. Oh. Super. Allez, une.
Un endroit pour sauvegarder, please. C'est quoi ça, putain? J'ai trouvé une carte? Oh, ok. Ça indique. Non, mais il y a 3 sauvegardes sur tout le jeu, ou 4. Putain, faut que je... Ok. Donc en haut à gauche, c'est là où j'ai déjà sauvegardé. Il faut que je trouve celle en haut à droite, mais je comprends pas là. Totem, je suis où à partir de là? Parti là. Ah. Merde, donc ok. Si, c'est bon, je l'ai. Où je suis. Où je dois aller. C'est pas trop loin. On peut le faire. On le fait. Faisons-le. J'ai plus de piles. Mets-toi! Mais tu... Oh! Allô? Oh putain, quel con. Pourquoi je peux pas? Qu'un autre îlot diète? Tu te fous de ma gueule, quoi? Pourquoi il fait ça, le jeu? Il est con, ce jeu, hein? Je me laisse pas impressionner. Il est reparti là où je dois aller. Ça me casse les couilles.
Très bien. Wow. Quoi ces bruits, la con? On a gagné. On a sauvegardé. Là, on est bien. Ouh. C'est chaud, hein? Bon, on va tester s'il peut passer les portes. Eh oh! Eh oh, je suis garé juste là, le monstre. Je suis là. Blablabla. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi au pire? Eh, tu sais où j'habite? Tu sais qui je suis? Comment je m'appelle? Allez, viens! No balls, no balls. Et voilà, il a les balls. Il est rentré. Heureusement, je me suis caché avant. Donc tout va bien. Il ne sait que faire. J'ai été ingénieux. Au moment où il fallait être ingénieux, j'ai su prendre les bonnes décisions, garder mon sang-froid, rester calme, détendu. C'est mon monde en fait, il est coincé dedans avec moi, il s'en rend pas bien compte, hein. Eh oui, tu es faible. Rentre chez toi. Loser. Sans déconner, je suis surpris. Je lui gueule dessus devant et en fait si je suis dans le casier, je suis vraiment parfaitement en sécurité en fait. Je me taisais pour rien. Quand je suis dans le casier, je peux parler tout seul. Tranquille. Il sait pas. Il sait pas où je suis, il a pas les mimines pour ouvrir le casier. C'est détente en fait comme jeu, c'est une partie de plaisir. Hurle pour montrer qui est le plus fort. Alors. Mollo. Où est son calme? Il faut quand même parler à un volume relativement bas. Oh non, 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 je vais encore me prendre un screamer. Non. Très joli. Très bien. Excusez-moi. Je suis un petit peu malade. Attendez. Ça ne sert à rien. De toute façon, j'ai une carte. Donc les marquages sur les murs servent à plus rien. J'ai une carte. Balek. Voilà ce que j'en fais de vos marquages sur le mur. Attends, je finis ma teub. Je plais. Et voilà. Je vais tout dégueulasser sa maison au monstre. Je fais encore ce que je veux. Je suis libre à égal endroit. On va mettre un smiley content. Parce qu'on est content. On est content d'avoir sauvegardé. On est joyeux, on a le sourire. Ah. Coupe de cheveux. Hop, taillé en triangle. Petit pied ce coup-là. Énorme bras. Énorme bras. Très bien. Il va voir ça, il va faire demi-tour. Il sait qui est le big boss. C'est charmant ici. Ah bah parfait. La vache, je trouve tout. On a bientôt fini le jeu. Oh, je suis franchement solide comme garçon. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bouge les caisses. Juste que le monstre a pas les balls d'ouvrir parce que t'es trop fort. Ouais, c'est ce que je dis. Je vais où je veux, en fait. J'ai fait bugger le jeu, la porte, elle était où? C'était plutôt drôle. Alors, il faudrait que j'arrête de parler, quand même. Parce que là, le danger approche doucement. Tout doucement. Ouah, ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est un problème. On va se taire maintenant. Oh, je l'ai dégusté celui-là. Oh, je l'ai savouré. Très agréable. C'est sympa comme jeu.
Pourquoi je chuchote encore dans les casiers? Bah parce que, certes, il ne peut pas contrer la technique du casier, mais j'ai pas non plus envie qu'il vienne se planter devant, parce qu'après, on perd du temps. Et moi, je respecte le temps de tout à chacun. D'accord? Quelle heure il est? 23h. C'est pas normal, vous devriez être au lit. Zou, tout le monde va se coucher. Je finis le live tout seul. Allez. Zou. De toute façon, ce sera vite fini. Là, je suis dans mon monde. Oh. Très bien, le kick-all. 4-7-3, hein. On le retient. Je compte sur le chat. Le chat est concentré, il va me dire c'est quoi le code. En temps voulu. Pourquoi il veut plus mettre la lampe torche? Hein? J'ai remis les piles, donc tu vas faire... Sans déconner, allume-la. Ah, y'a plus de piles. Je vais les en mettre quand même en dessous de ma gueule. Allez. Super. Je suis un peu perdu. Ah. Tu veux que je t'indique la direction? Tu veux aller où? Là on est je sais pas exactement où on est en fait là. Gate. Ah si, attends. Ah non, je sais pas. Ah si, on est tout en bas à droite là. Gate, du coup, forcément. Ok, voyons. C'est quand même bizarre parce qu'il y a une grande partie de la map qui n'a pas été explorée. Mais pourtant, il me manque que deux objets. J'imagine qu'il y en a un dans la classroom. Hein. C'est pas indiqué pour rien. Et du coup, le dernier objet, il est où? Il y a toute une zone un peu noire là, à gauche, on comprend pas. Bah non, elle est pas réelle cette zone. Ah si, peut-être qu'on peut y accéder depuis la porte. Au-dessus. J'ai pas essayé de passer cette porte moi, pourtant je suis passé par là. Mais de toute façon, s'il y a bien un objet dans la classroom, il n'y a plus qu'un seul objet à trouver. Donc c'est où? C'est dans la zone noire ou c'est dans Red Room, là? Ah bah non. Ah non, c'est pas dans Red Room. Red Room, c'était la zone à la con, là. Où je tournais en rond pendant des plombes, non? Il n'y a rien là-dedans. Ah, je ne me souviens plus, tiens. Ah non, peut-être pas. Bah non. Bah on va essayer. De toute façon, on va passer par là, hein. Bon, on reste concentré, hein. On est content. Alors, vous êtes pas allé vous coucher, hein? On respecte pas les instructions. C'est dégueulasse. Bonsoir les gens qui arrivent, bienvenue, hein? Bienvenue. Alors, on va aller dans la classroom, vite fait. Voir ce qui se trame, hein? Allez, on va jeter un œil. On reste silencieux. Même en cas de screamer, on ne crie pas. Plus ce truc. Bon, ça se passe plutôt bien. Comment ils vont? Oh. Tiens, c'est cadeau. Je fais ce que je veux, c'est mon monde.
Mais sois le bienvenu. Mais comment il va? Comment il va? Oh, c'est une belle bête, hein. Un beau morceau, une bien belle pièce. Allez, c'est ça, va-t'en, filou. File. Coquin. C'est un bug ou... C'est un bug, hein. C'est forcément un bug, il est bien censé pouvoir me bouffer dans les... Dans le casier, là, comme sur Alien Isolation. Absurde. Bon, le petit Timmy magnifique. Ah mais oui, mais c'est Timmy. C'est l'incarnation de Timmy. Il a le manteau jaune. C'était quoi le code déjà, les petits copains? Vous allez coopérer avec moi dans le chat. C'est 400 quelque chose, hein. 473, très bien, le chat est concentré. Des gens bien dans le chat. J'apprécie. Zou, à nous les précieuses ressources. Ah, c'est quoi ça? C'est pourri. Bon, je le prends. Merci bien. C'est tout? Non, t'as dit plus qu'un objet. Donc, c'est une partie de plaisir, en fait, ce truc. Bon, j'ai un peu paniqué au niveau des sauvegardes, hein, mais... À ce stade, on est bon. Comment j'ai fait pour faire ce chemin-là? Ah oui, si. Incroyable. Bon, bah, par contre, où est-ce que je vais trouver le dernier, en vrai, là? Ah si, il faut sûrement que j'aille dans la zone où c'est tout noir. C'est sûr. Ah, je vois qu'on me donnait des codes faux dans le chat, hein. Très bien. Quelques coquins ont essayé de me la faire à l'envers. Je vais donc devoir sévir et procéder au bannissement de tous ceux qui ont donné le mauvais code. Eh oui. Ça ne rigole pas. Je ne plaisante pas avec ces choses-là, moi. J'aime pas l'humour, les blagues, c'est zéro. Bon, par où je vais? Ouais. Mais attendez, comment? C'est étrange. Blocked. Ah bah non, quand c'est tout noir, c'est blocked. Ça veut dire quoi, blocked, alors? Pourquoi il y a une sauvegarde dans le tout noir, là? C'est complètement con. Ah. Que ce serait juste pas dans le jeu encore, parce que le jeu est en early access. C'est juste ça, en fait. Pas dans le jeu. Ouais, c'est louche. Bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bénéficié d'un screamer. Je pense que c'est le moment, hein. Qu'est-ce que t'en dis, le jeune? Sauce-moi, le jeune, mets-moi bien. Je me disais bien que c'était pas par là. C'est quoi, ça? Oh! Je me suis fait de nouveaux amis. Mon nom, ça doit être Lee ou Larson. Je me souviens pas. Je joue à sa maison, mais il fait froid dans le... dans la cave. Il me demande quand est-ce qu'il va me laisser rentrer. Charmant. Pas de screamer, s'il vous plaît. Soyez sympa avec moi, quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, ça va. C'est par où je vais aller? Ben, je m'ai trompé. Ah non, c'est par là. Ok. Oui, faisons-le. Zou, casse-toi. Très bien. Pas de panique, hein, on sait ce qu'on fait. Quand t'as fini, ça débloque peut-être. Ouais, sinon, c'est peut-être ça, ouais. Peut-être que cette zone, on n'y accède qu'après avoir donné tous les objets. Une théorie. Là, on va bouffer un screamer. Oh, on va le savourer, hein. On est là pour se faire plaisir, on est entre amis. Prévisible, hein. C'est pas bon, ça. Zone rouge, ouais, bah je crois bien, c'est plutôt rouge.
Ça va prendre un tournant là. C'est quoi ça? Ouh, ça pue la merde hein. Ouais. Ça pue. Si on prend juste des screamers, ça va hein. Du moment que je meurs pas. Que les screamers, ça fait pas mal. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? And we are rolling. Mais le jeu il redémarre. Nice. Tu te fous de ma gueule le jeu là? J'ai même pas... Attendez, je suis pas mort en plus, j'ai même pas eu l'écran de mort, donc donc c'est pas... J'ai pas perdu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, on a peut-être fini le jeu là en vrai, hein. Peut-être qu'il a pas encore prévu la fin. Et que juste trouver les 6 objets nous fait gagner. Si c'est ça, c'est un peu anticlimatique. Heureux de t'avoir connu, Max. Pourquoi il me disait ça, gros? Il savait que ça allait venir, c'est ça? Wow. Bon, littéralement, le jeu a redémarré, là? Bon, on a gagné, alors. Ah bah non, c'est différent, là. Je suis mort. Ah non, c'est bon. Bon, je crois bien qu'on a fini le jeu, dis donc. Je suppose, sinon ils auraient pas fait ça pour que... Pour que ça reprenne après, hein. Hey Liam, Drake, come check out this little wimp. What a fucking idiot. Oh non, c'est Timmy. Ils ont tué Timmy. Go fuck with him. Grab the hammer. Vachement réaliste comme dialogue, hein. On est tous comme ça, hein, quand on voit un petit enfant. Eh viens, mec, on va taper sur le petit enfant. Oh, regarde-moi cette petite merde, c'est un petit enfant. C'est réaliste. Moi aussi, je fais ça, hein. Ah ouais, et ils l'ont kidnappé et enfermé dans... C'est eux qui l'ont fait ça. D'accord. Deux adolescents ont chopé un petit enfant et l'ont enfermé dans la cave. C'est ça, le scénario? Et les skaters, ils sont dangereux, hein? Oh non! Plus d'une semaine était passée après la découverte ignoble de petit Timmy. L'enfant de 11 ans était en train de rentrer à la maison quand il s'est fait probablement kidnapper. Sa mère a demandé publiquement au tueur de relâcher son enfant en disant qu'elle voulait qu'il rentre à la maison pour qu'elle puisse cuisiner son plat préféré. Le poulet braisé. Petit Timmy, son corps a été trouvé 2 jours plus tard, près de la forêt. Hein, j'ai la flemme de traduire tout, on va faire ça court. Il portait sa jaquette, on s'en fout. Timmy a été probablement kidnappé et torturé. Sa tête a été... Quoi? Pardon? La tête a été détachée du reste. Et ses bras ont été trouvés un peu plus loin. Pardon? L'autopsie révèle qu'il a été frappé et rendu inconscient avec un objet de type contondant, tel qu'un marteau. On pense également que petit Timmy était peut-être vivant pendant que ses bras étaient coupés. Ce qui expliquerait pourquoi ses bras sont plus loin que son corps. Et hop là, pour la suite, je vais me faire foutre. Liam Williams, 18, et Drake Salvatore, 19, ont tous les deux été... Prosécuté, n'est-ce pas, pour kidnapping? Prosécuté, je sais pas si c'est un vrai mot. Torture et meurtre brutal de petit Timmy. Après que la police a trouvé une cassette VHS. Ah, ils ont filmé en plus, ça c'est les génies, hein. Liam et Drake, ils sont solides. Hein. Ils trouvent un petit enfant, ils le zigouillent. Et ils filment. C'est sympa. C'est les gens bien. La cassette VHS ainsi que tout le reste, je vais me faire foutre. Oh, petit Timmy. Oh, le pauvre Timmy.
Oh, je suis dans le dur, là. Ah, même. Hey! Je sais pas siffler comme ça. Non, je vais pas essayer, je sais pas le faire. C'est qui, Paul? Ah, on a loupé un épisode. Siffle, Anthony! Mais c'est une histoire vraie. Non, c'est de la couille. Enfin, j'en sais rien. Non, c'est certainement une histoire fausse. J'en sais rien, en vrai, si, peut-être. Non? J'en sais rien. Hey. Bon, bah voilà, on a fini le jeu. Putain, donc y a pas le... Y a pas la fin, quoi. C'est quand même bien con, ça, par contre. Hein. Enfin, le jeu est en early access, si tu veux, mais... Enfin, je sais pas, on trouve tous les objets, et du coup, ouais, on perd. C'est quand même dommage de pas avoir fait quelque chose qui ressemble vraiment à une fin. Parce que si c'est ça, on pouvait s'arrêter dès le début, hein, quand je suis mort. J'avais perdu aussi, c'est pareil. Les monstres tentaculaires n'existent pas. Ouais, exactement, maître méchant. C'est pas une histoire vraie. Est-ce que je vais faire Scorn à sa sortie? Alors, ce machin, ça fait 15 ans qu'il doit sortir. Donc déjà, s'il sort un jour, c'est de l'ordre du miracle. Et je pense pas. Ça m'a jamais trop emballé. Ça m'a l'air pas très grandiose, hein, mais on verra. Est-ce que je peux faire le jeu de Grr? Alors, restons calmes. Parce que Grr va encore me recommander de la saloperie. En plus, il est 23h15. Vous êtes censé être au lit. C'est l'heure. C'est l'heure. Tout le monde au lit. Zou. Allez, zou. Ils sont encore là, mais j'ai dit quoi? Hé, j'ai dit quoi, dis donc? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Bon, le jeu, il était sympa, en tout cas. Très sympa, c'est con, il manque la fin, c'est dommage, c'est bien de finir son jeu avant de le sortir, quand même, pour arrêter de se foutre du monde, hein. Il y en a marre, des early access, vous êtes des branleurs. Fainéant! Fainéant, développeur! Mais c'était sympa. On est content. C'était mieux que The Backroom Survival. Même si ce jeu-là, là, The Backroom Survival, ils ont mis un mode multijoueur, maintenant, et ça... Ça peut peut-être être drôle, hein. Pourquoi mon curseur de souris ne bouge plus? Très bien, la souris ne marche plus. Plus de souris dans le jeu. Ah ouais, quand même, ça a bien craqué, quoi. Très bien. Donc le jeu m'a supprimé la souris. Bon, on va le TF4. De toute façon, mais c'était sympa. C'était sympa comme jeu vidéo.